Château de Cheverny. Nous sortons là de l'exposition Histoire en briques Lego, mystère à Cheverny. Alors pouvez-vous nous présenter cette exposition ? Quelle belle exposition, n'est-ce pas ? Alors c'est une exposition Lego avec des personnages en briques Lego à taille réelle, donc très impressionnante. Cette année, nous avons choisi le thème des détectives et des romans policiers. Pourquoi ? Parce que souvent, ces histoires se passent dans des châteaux. Donc, cela nous paraissait légitime de le faire à Cheverny, d'autant que mon mari et moi-même adorons les films policiers et les romans policiers. Et les Lego. Et les Lego, bien sûr. Donc, voilà, on s'est jeté dans cette nouvelle aventure. Donc, vous allez pouvoir voir Scooby-Doo qui fait plus d'1m80, si ce n'est d'ailleurs même plus, je crois, plus de 2 mètres. Ouais. Scooby-Doo, on rentre dans une pièce avec. On est envahi par les oiseaux d'Hitchcock. Moi, ma pièce préférée, c'est celle avec Louis de Funès. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Sherlock Holmes, on a. Hercule Poirot qui va bientôt arriver, on a Arsène Lupin, bref, on a quasiment tous les grands de ce monde en termes de romans policiers et de détectives. Voilà, donc c'est unique, hein, ça n'existe qu'à Cheverny. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que ce sont des objets à taille réelle et tous en briques Lego. Justement, combien de briques Lego ont été utilisées et combien de temps il a fallu pour monter ces structures, ces tableaux et ces scénettes ? Alors, il y a des millions de briques qui ont été utilisées pour cette exposition. Pour vous donner un exemple, la maquette du château, il a fallu 75 heures de travail et plus de 35 000 briques. Alors, qu'en pense le public ? Écoutez, le public est ravi. Le public est ravi en règle générale. Alors nous disons que nous avons réussi notre exposition parce que on attendait les quelques personnes qui, elles, sont un peu chamboulées par la présence des Lego. Donc elles sont arrivées, elles sont là. voilà, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont les goûts et les couleurs et il en faut pour tout le monde. Mais la grande majorité apprécie beaucoup cette présence de Lego dans notre château de Cheverny. On invite tous nos spectateurs jusqu'au 31 décembre 2019. Exactement, donc encore plus d'un an. L'histoire en briques Lego, mystère à Cheverny. Merci Madame la Marquise. À très bientôt.